Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation. On va voir ensemble les sites internet et les applications mobiles. Donc tout d'abord, pourquoi faire un site ou pourquoi faire une appli? Un site internet se référence très bien sur Google, une application mobile aussi, hein, grâce au SEO. Donc avec un site internet, vous allez pouvoir avoir pas mal de menus, avoir une arborescence de sites internet classiques. Avec une application mobile, on va avoir quelque chose de beaucoup plus responsive, donc qui s'ouvre très bien sur le téléphone. Aujourd'hui, vous allez pouvoir lancer une application mobile qui fait aussi site internet, en commençant d'ailleurs par la version site internet, et ensuite la mettre sur Android et sur Apple Store. Donc on va voir ça ensemble. Donc la première chose, pourquoi lancer une application mobile? Aujourd'hui, la moitié du trafic mondial se fait sur téléphone. Avant, ça se faisait essentiellement sur ordinateur. Donc aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup le smartphone, la moitié. Bon, 120 milliards dépensés par an, 3h40 par jour passés sur téléphone mobile. Donc on voit que les gens passent énormément de temps sur le téléphone. Et surtout, maintenant, ils achètent en ligne avec leur téléphone. Donc 40% des achats en ligne se font sur téléphone mobile de nos jours. Et ils sont très friands d'applications. En général, les gens ont à peu près 10 applications préférées. Et au deuxième trimestre de 2020, 37 milliards de téléchargements d'applications sur un seul trimestre. Donc c'est vraiment énorme. Les gens aiment beaucoup les applications mobiles. Donc surtout, on va pouvoir, avec une application, envoyer des notifications push. Donc c'est comme des SMS, sauf que l'utilisateur va pouvoir régler est-ce qu'il veut un son d'alerte, une pastille en page d'accueil ou une pastille sur son téléphone. Donc les notifications push sont quand même moins intrusives que les SMS. Elles vont permettre de garder le contact avec vos clients et de les informer dès que vous avez un nouveau produit, un nouvel événement, une offre spéciale. Vous allez pouvoir les programmer et les envoyer quand vous voulez. Vous allez pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs. Donc tous les utilisateurs ne vont pas forcément recevoir les mêmes notifications. Donc vos utilisateurs, ça peut être au niveau de la provenance et ça peut être aussi au niveau du type de client. Est-ce que c'est un acheteur régulier ou est-ce que c'est un nouveau client ? Vous allez également pouvoir utiliser les options de fidélité qui vont permettre à vos groupes d'utilisateurs d'évoluer naturellement, puisque un utilisateur qui est dans un groupe va pouvoir, en fonction de ses achats, grader au niveau de sa carte membre d'utilisateur. Et vous allez pouvoir donc envoyer des notifications push à vos clients. L'application mobile va aussi vous permettre de payer en ligne très facilement par carte bancaire, avec Apple Pay, avec PayPal. Donc tous les moyens fonctionne facilement. Vous allez avoir un vrai petit site e-commerce qui s'affichera d'ailleurs comme un site e-commerce sur ordinateur et qui sera très responsive sur les téléphones. Donc pourquoi lancer une application mobile? C'est aussi pour être visible sur tout type de support. Donc, vous allez pouvoir apparaître sur les moteurs de recherche Google Play, Android. Donc c'est le plus populaire. C'est 3 millions d'applications disponibles. Sur l'Apple Store, donc là c'est le plus ancien, et c'est 2 millions d'applications disponibles. Donc Apple Store, c'est tout ce qui va être iPhone, iPad. Et en PWA, donc Progressive Web App, c'est les navigateurs de vos smartphones ou de votre ordinateur. Et donc tout simplement sur votre téléphone, vous allez pouvoir aller sur le site, l'avoir comme une appli et assez rapidement lors de votre navigation la télécharger sur l'écran d'accueil et avoir ainsi l'application comme si vous étiez passé par un store. Donc ça fait l'équivalent d'un site internet, sauf que ça coûte moins cher et que c'est sans doute plus efficace puisque ça fonctionne très bien sur les téléphones. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise là-dessus. Donc on a deux types d'applications, les applications e-commerce, boutique en ligne, et les applications de contenu. Donc on va commencer par regarder les applications e-commerce. Donc le design des applications est très approfondi. Vous avez plein de styles différents, plein de couleurs, plein de formes, et vous allez pouvoir choisir différents modèles dans l'application, dans les rubriques. Donc on va avoir des styles très sympas. Il faut savoir que nous, on vous paramètre tout pour que ce soit bien et vous pouvez aussi prendre la main dessus pour faire des changements. Au niveau des contenus, vous allez pouvoir aussi éditer vous-même les contenus, même si au départ, on va préparer un petit peu les contenus en fonction de votre profil d'activité et de vos besoins. Donc les applications e-commerce,
Alors tout d'abord, une seule identification, on crée un compte sur l'application et ensuite, à chaque fois qu'on va éteindre le téléphone, le rallumer, sortir de l'application, on n'a plus besoin de se connecter à nouveau. Donc pas besoin de retaper son mot de passe. Et puis vous avez une expérience utilisateur qui est propre à vos préférences, suivant ce que vous achetez habituellement. Il y a des choses qui vont ressortir dans l'application. Vous allez pouvoir faire des remises à vos clients avec des coupons de réduction et ainsi cibler en fonction des besoins de vos clients des offres spécifiques pour leur proposer des actions marketing qui soient bien ciblées. Donc le paiement se fait très facilement en un clic avec la carte bancaire ou avec Apple Pay. Les gens ajoutent au panier, ils commandent et puis ensuite ils choisissent le moyen. Est-ce que c'est du click and collect, ils viennent chercher leur commande ou est-ce qu'ils veulent être livrés par colis ou par votre service de livraison. Par exemple, pour un restaurant, vous allez pouvoir choisir de livrer les clients. Donc si c'est du click and collect ou de la livraison, ils vont pouvoir choisir aussi la tranche horaire pour recevoir leurs produits ou leurs biens de consommation. Les notifications push et les mails, donc ils vont pouvoir recevoir des notifications push et également s'inscrire à la newsletter par exemple ou recevoir des mails. Lorsque vous traitez une commande, automatiquement ils vont recevoir une notification si la commande est en cours de traitement, si la commande est prête. Donc ça vous simplifie énormément la tâche. Plusieurs types de livraison, donc on en parlait. Vous allez pouvoir choisir la livraison nationale ou internationale. Hein, si vous êtes habitué à livrer jusqu'en Suisse, pourquoi pas. Si vous ne le faites pas, vous pouvez rester sur la France. Vous allez aussi pouvoir livrer uniquement des codes postaux autour de chez vous. Par exemple, vous habitez dans une ville et vous êtes prêt à livrer sur les villages alentours, sur 3, 4, 10 villages alentours. Et le tarif de livraison n'est pas forcément le même s'il y a 10 km ou si c'est juste dans la ville. Donc tout ça va pouvoir se paramétrer. Vous allez aussi pouvoir choisir que sur tel ou tel secteur, à partir de tel montant, la livraison est gratuite. Par exemple, à partir de 100 euros d'achat, vous livrez gratuitement. Le retrait en magasin, donc c'est ce qu'on appelle le click and collect, ça peut se choisir jusqu'à 6 jours à l'avance sur des créneaux toutes les 15 minutes. Et c'est vous qui choisissez les plages horaires pour livrer vos clients sur ces créneaux. Donc c'est des plages horaires toutes les 15 minutes, par exemple, voire 18h15, 18h30, 18h45. Ils vont pouvoir choisir à quelle heure ils viennent chercher leur commande. La gestion des taxes, bon, évidemment, chaque produit peut avoir des taxes différentes, hein, entre une boisson, de la nourriture ou un bien de consommation avec une TVA à 20%. Donc tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer très facilement dans vos produits. Et la passerelle de paiement, donc au départ, on vous met un paiement avec Stripe. C'est un logiciel qui est sans abonnement, directement relié à votre compte bancaire. La commission est de 2,1%. Et il n'y a pas d'abonnement, donc si vous ne faites pas de vente, ça ne vous coûte rien. Et quand vous faites une vente à 100 euros, vous touchez à peu près 98 euros. Donc c'est la solution la plus appropriée. Bien sûr, on peut aussi connecter votre espace bancaire habituel si vous êtes dans telle ou telle banque et que vous choisissez la solution chez eux. Souvent, c'est des abonnements, peut-être à 30 euros par mois. Vous allez pouvoir utiliser vos moyens de paiement habituels. On va pouvoir utiliser aussi PayPal, Apple Pay et d'autres moyens de paiement. Vous pouvez aussi choisir le paiement hors ligne, c'est-à-dire que la personne va passer commande. C'est des produits que vous avez en stock, il n'y a pas besoin de préparation, ça n'a pas besoin d'être chaud à l'heure où le client arrive. Donc à ce moment-là, vous ne prenez pas de risque, vous pouvez acter la vente, ils achètent et ils paieront sur place en venant chercher leur commande. Après, s'ils ne viennent pas, vous pouvez remettre le produit en ligne. Donc c'est une manière aussi de pouvoir prendre les paiements en espèces facilement. Donc vous allez pouvoir vraiment satisfaire vos clients et ne rater aucune vente avec ces différentes méthodes. Ensuite, vous allez avoir un outil statistique qui est assez approfondi puisque vous allez pouvoir voir les produits qui se vendent le mieux, les périodes, le taux de conversion, donc c'est le nombre de personnes qui viennent sur votre application et qui achètent pour pouvoir travailler un petit peu l'augmentation de ce taux de conversion. Vous avez accès à beaucoup de données. On va voir ensuite pour les applications de contenu. Application de contenu. Vous allez pouvoir créer des textes, des vidéos, des cartes, des photos, des formulaires. Donc c'est l'équivalent d'un blog. Vous allez pouvoir faire des articles régulièrement. Vous avez un nouvel événement, ça va être dans la rubrique événements, bien présenté.
Vous avez un nouveau produit, vous voulez mettre quelques photos du produit, en parler. Vous allez pouvoir faire régulièrement des articles et donc ça, vos clients vont être contents d'aller voir l'actualité. Par rapport à vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir partager évidemment la page du produit sur vos réseaux sociaux et recevoir des j'aime et des réactions. Mais là, c'est directement concentré sur votre appli. Donc voilà, c'est plus intéressant, d'autant plus si vous ajoutez une notification push lorsqu'il y a une nouveauté, les gens viennent directement voir. Donc on est quand même beaucoup plus proche du client qu'avec des réseaux sociaux. Vous allez pouvoir ranger les articles par section, sous-section. Donc vous allez avoir une arborescence de menus qui sont à chaque fois bien décorés, bien intuitifs. Et ça va vous permettre de ranger par catégorie tel ou tel produit, tel ou tel contenu, telle ou telle information. Le design va être donc adapté à chaque rubrique. Vous allez pouvoir avoir une application qui n'est pas monotone mais qui ne se ressemble pas d'une partie à l'autre. Donc les notifications push vont pouvoir être programmées, hein. Si vous avez un événement à 20h tel jour, vous allez pouvoir envoyer une notification push à 18h sans être devant l'ordinateur. Vous allez aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle le geofencing. Donc c'est le fait que le client qui passe par exemple devant votre commerce va recevoir une notification push avec une information ou une offre. C'est assez intéressant. S'il passe aussi dans la région, voilà, vous allez pouvoir paramétrer ça facilement. Et vous allez éventuellement pouvoir cibler en fonction du type d'utilisateur, est-ce qu'ils utilisent iPhone, Android ou les applications web. Donc l'utilisateur va pouvoir s'identifier, tout simplement il crée un compte sur votre application et ce sera à vous donc de valider son compte ou alors il se valide automatiquement. Et en tout cas, vous allez pouvoir lui mettre trois statuts différents. L'utilisateur classique qui est jamais venu, qui vient de créer un compte, le nouveau. Et puis, grâce à la carte fidélité, éventuellement, celui qui a acheté va pouvoir monter automatiquement en grade. Ou si c'est déjà vos clients habituels, vous voulez tout de suite qu'ils aient l'accès carte Gold ou carte Premium, le premier carte classique. Donc, ils vont pouvoir monter entre ces différents grades où vous allez pouvoir aussi le faire manuellement. Ils vont pouvoir personnaliser leur espace avec une photo, avec des informations et accéder aussi, si vous le souhaitez, à un chat sur l'application. Pour communiquer avec d'autres membres de leur communauté, hein, suivant comme vous avez paramétré l'application, et également communiquer avec des gens de leur secteur d'activité. Et quand ils enverront un message, s'ils reçoivent une réponse, ils reçoivent une petite notification push, donc ça évite de se reconnecter à l'application pour voir qu'on nous a répondu, c'est très pratique. Pour les commerces de proximité, donc la carte de fidélité est personnalisable. Bon, l'exemple classique, c'est 10 cafés achetés, un café offert. C'est relié directement aux cartes de membres. Ça leur permet donc d'évoluer au niveau du profil de membres. Ensuite, ils ne reçoivent pas forcément les mêmes offres, hein, puisqu'on a trois profils différents. Et puis, ils peuvent recevoir donc des coupons de réduction et des informations spécifiques. Au niveau des statistiques, toujours pareil, donc bien développé, vous allez pouvoir voir le nombre de téléchargements, le temps passé sur l'application, le nombre de connexions, également la plateforme utilisée, de quel pays ils viennent, quel type de téléphone, vous allez un peu mieux connaître vos clients. Et si vous utilisez des outils comme Google Analytics ou d'autres outils développés par des startups, donc régulièrement les développeurs de notre agence vont faire en sorte que vous puissiez connecter vos outils à l'application et avoir des nouvelles fonctionnalités un peu plus intéressantes chaque année. Donc on va voir désormais les modes de distribution et où sont placées donc ces applications. Donc au niveau des modes de distribution, on a tout d'abord iOS qui est l'Apple Store donc pour tous les smartphones. Donc à savoir qu'on utilise à chaque fois sur les plateformes le meilleur langage possible pour coder les applications de manière à ce que ça ne puisse pas bugger. Vous avez une application qui, malgré les mises à jour qu'on peut faire nous ou que peut faire Apple ou Android, l'application fonctionne toujours très bien. Donc on a l'Apple Store, on a Android, Google Play, c'est l'ensemble des téléphones, c'est le store le plus populaire. Et c'est développé aussi dans un très bon langage. Et le PWA, donc là c'est accessible sur tous les smartphones sans passer par les stores. Donc c'est la solution qui coûte la moins chère aussi.
Et ça va vous permettre d'avoir un site internet complet sur ordinateur et une application mobile qui ressemble à un site internet. Donc il suffit d'aller dans son navigateur, par exemple Google Chrome ou Safari, de taper l'URL. On va pouvoir d'ailleurs personnaliser le nom de domaine, hein, par exemple monétablissement.fr, et puis avoir accès à l'application et la télécharger sur l'écran d'accueil du téléphone sans passer par les stores. Au niveau de l'outil d'administration, donc il est facile, rapide et pratique. Alors il est facile parce que vous n'avez aucun logiciel à installer, ça se fait en ligne. On vous donne les accès avec vos codes personnels, vous allez pouvoir alimenter tous vos contenus, ajouter des produits, en supprimer, retirer un produit qui n'est plus en stock, créer un petit article sur votre blog. C'est rapide puisque l'outil est très intuitif, c'est aussi simple à gérer qu'un site internet WordPress ou qu'une page Facebook, voire peut-être même plus simple. Et c'est très pratique puisqu'une fois que vous avez mis à jour vos contenus, vous allez pouvoir les actualiser en temps réel sur toutes les plateformes en même temps. Donc vous pouvez faire des modifications, elles n'apparaissent pas sur l'application. Et au moment où vous actualisez, quelques secondes après, tout s'actualise automatiquement au niveau de vos stocks ou de vos informations. Donc vous avez un outil d'administration qui est simple, qui est intuitif. Vous allez pouvoir ajouter donc des photos, des vidéos, de l'audio, des formulaires si vous voulez faire un petit sondage. Des coordonnées, des points sur une carte si vous voulez présenter différents lieux, différents établissements, des agendas, donc là c'est très bien fait, les dates se mettent directement dans l'ordre pour vos soirées ou pour vos événements, et vous avez donc la main sur votre communication en temps réel. Donc pour les notifications, c'est très simple aussi, vous avez une plateforme qui va pouvoir vous permettre de paramétrer vos notifications, d'en envoyer tout de suite ou d'en envoyer plus tard et d'envoyer des notifications qui sont programmées, pas forcément les mêmes, à telle ou telle catégorie de personnes que vous aurez créées dans l'application. Les outils de promotion, donc avec un QR code, vous allez pouvoir afficher le QR code sur l'enseigne de votre magasin et ainsi les gens ont juste à scanner le QR code pour télécharger l'application. Ils vont pouvoir également le retrouver sur votre page Facebook, hein, dans leur fil d'actualité, avec un petit lien, ils cliquent, hop, ils téléchargent l'application, ou alors ils prennent un smartphone devant leur ordinateur, ils scannent le QR code, donc vous allez pouvoir en faire la promotion sur tous vos réseaux sociaux, le mettre dans vos signatures email, donc faire en sorte que les gens puissent facilement trouver et télécharger votre application, que ce soit sur la vitrine ou sur le web. Donc passons à présent au tarif. Alors déjà, il faut savoir qu'on peut faire un site internet classique, WordPress, à 800 euros, puis 30 euros par mois, avec un engagement de 36 mois. Donc là, on est sur un site internet classique, avec des rubriques, avec des fonctionnalités. On en a plusieurs à vous montrer, dont notre site, splash.fr. Et on a également des prestations sur les applications mobiles. Donc pour les applications de contenu, on démarre sur la PWA, qui est à 400 euros pour la mise en place, puis 25 euros par mois, si vous prenez sur un an. Donc avec un paiement mensuel. Et ensuite, si l'application vous plaît, on peut la passer sur Android. Donc à ce moment-là, on rajoute 250 euros pour la mise en place et puis 60 euros une seule fois qu'on paye directement à Android. Et puis ensuite, le tarif donc n'est plus de 25 euros par mois, il est remplacé par 48 euros par mois. Ensuite, l'application peut également être sur Apple Store. Donc on rajoute 350 euros, parce qu'il y a un petit peu de travail au niveau du code et de la présentation de l'application aux techniciens Apple pour qu'elle soit validée, puisque l'application doit être impeccable. Et Apple demande environ 200 euros par an. Donc vous pouvez les régler directement auprès de notre agence, mais cette somme-là revient donc chaque année. Et sinon, l'abonnement chez nous est à 96 euros par mois. Donc il faut savoir qu'on a mis les mêmes tarifs que notre fournisseur avec qui on travaille, avec qui on a un compte admin, donc on paye des sommes beaucoup plus chères pour pouvoir faire plusieurs applications. Donc en gros, ce tarif-là, c'est vraiment le tarif le moins cher que vous pourrez trouver sur le web, tout pays confondu. Vraiment, on vous met au défi de trouver une agence qui propose des prestations moins chères que celle-ci. Je pense que vous ne trouverez pas. Et pour autant, la qualité sera vraiment optimale. Donc pour les applications shopping, c'est le même fonctionnement. L'abonnement est un petit peu plus cher puisqu'on doit gérer également vos moyens de paiement qui sont en place sur l'application. Voilà, maintenant vous savez comment se passe une application mobile, vous avez vu qu'elle fait aussi site internet. Maintenant vous pouvez préférer un vrai site internet ou le prendre en complément. Vous pouvez aussi avoir déjà un site internet que vous voulez qu'on refasse, ou vous pouvez avoir déjà un site internet et vous souhaitez avoir en plus une application mobile parce que c'est dans l'air du temps et puis peut-être qu'un jour ça remplacera votre site internet. Donc c'est possible aussi.
Pour les sites internet, voilà tout ce qui est inclus dans votre création. Donc bien sûr, l'achat du nom de domaine, l'hébergement de votre site, la mise en place donc du CMS WordPress, hein, qui est un CMS très connu, très simple d'utilisation. Et puis l'installation d'un excellent template qui soit très joli, qui soit ergonomique et puis qui puisse être modulable. Donc on utilise un très beau template. La création du contenu. Donc là vont intervenir des graphistes, des développeurs, des référenceurs, plusieurs corps de métier qui vont faire en sorte que votre site soit vraiment atypique, joli, fonctionnel par rapport à vos recherches. Donc on va travailler sur l'ergonomie, un design adapté à vos activités. On va créer une arborescence du site, des menus, des en-têtes, du pied de page, un blog, une page contact, un portfolio, vos conditions générales de vente, tout ce qui est obligatoire sur un site internet. L'interface utilisateur va pouvoir être donc pareil en ligne. Vous allez pouvoir modifier vos contenus quand vous voulez. Vous allez pouvoir créer des textes à votre souhait. Donc nous, au départ, on va mettre des textes d'exemple qui semblent appropriés à votre activité et vous aurez la main sur ces contenus pour les modifier. L'installation d'un mode maintenance au départ pour que votre site internet soit hébergé, mais que vos utilisateurs puissent arriver sur le site avec un petit mot de maintenance en leur disant le site ouvre bientôt, le site est en travaux. C'est plus joli quand même. Et la rédaction d'un premier article storytelling pour votre entreprise. Donc le storytelling, c'est une méthode marketing qui consiste à parler de votre entreprise, de son histoire, de son activité. Et on vous invite à en faire régulièrement s'il y a des nouveautés dans l'entreprise. Déjà parce que chaque article que vous ferez, ça amène des mots-clés, ça vous favorise le référencement. Ça crée du contenu, donc ça augmente la visibilité de votre site sur internet. Donc c'est pas le tout de taper le nom de votre établissement et de le trouver sur Google. Ce qui est intéressant, c'est de taper des mots-clés qui sont un petit peu liés à votre activité et à ce moment-là, que votre site apparaisse dans les résultats de recherche. C'est là où vous allez vraiment drainer plus de clientèle. Donc la rédaction d'articles est très importante. Au niveau de la sécurité de votre site, bon ben un petit captcha, hein, un petit calcul mathématique ou des photos à cliquer au moment où on vous envoie ou le client veut vous envoyer un mail, ou au moment où vous vous connectez à la plateforme. Ça sécurise le site. Et puis, il faut savoir qu'on a un logiciel qui permet de sauvegarder totalement votre site une fois par jour, tous les jours, et c'est inclus dans votre abonnement mensuel. Donc, ça vous permet, si vous faites une erreur, demain, le stagiaire a supprimé 3 pages, il ne fallait pas, vous nous appelez, on remet le site en état où il était la veille. Donc, vous êtes en sécurité par rapport à ça. Et puis ensuite, le référencement, donc c'est là où, quand vous créez une page, on va également rajouter des blocs de référencement et on va remettre des mots-clés, des textes dans ces blocs, c'est ce qu'on appelle le SEO. Ça permet aussi, quand on tape un résultat de recherche sur Google, d'avoir des pages qui apparaissent avec déjà un petit contenu qui répond à la question, donc c'est quand même plus ergonomique. Et puis, on va optimiser donc les écritures, les médias, les contenus, notamment avec les balises titres, un grand titre en haut, des titres plus petits en dessous, du texte, et voilà, une arborescence que Google va apprécier et va valoriser ainsi vos contenus et vous placer dans les bonnes rubriques des moteurs de recherche. Donc voilà, vous connaissez les sites internet, les applications mobiles, à vous de faire votre choix. En tout cas, de notre côté, le site est prêt en 15 jours, 3 semaines. En bout d'une semaine, vous avez déjà accès au logiciel pour améliorer vos contenus. Et il faut savoir que l'abonnement ne démarre qu'une fois que votre site est prêt. Et en attendant, bon, bah, si on met 2-3 semaines ou si on met un mois et demi, ça dépend aussi de vous. On est en phase de construction, donc l'abonnement ne démarre pas. Ensuite, une fois que le site ou l'application sont en ligne, ça démarre. Voilà, bah, écoutez, on sera ravis de se pencher sur votre entreprise, de faire un site ou une application sur mesure et d'évoluer avec vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis personnalisé qui réponde à vos attentes et démarrer ensemble. À bientôt, merci.